le fait de vouloir faire une expérience pour combler quelque chose. Voilà, mais l'expérience, dans ce cas, si tu fais l'expérience, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est que tu vas combler ce vide que tu veux pas voir. Et en fait, l'expérience va te permettre de faire en sorte que ce que tu es soit encore alimenté avec plein de connus. Parce que l'expérience que tu as va te faire mémoriser tout ce que tu as vécu. Et la mémoire de toute cette expérience-là va te donner en fait plus de toi. Et plus tu vas dans la vie, plus tu auras de toi, avoir des expériences, tout ça, tu veux être encore plus toi. Tu vois ? Mais ce toi-là, justement, c'est l'insécurité. Et c'est l'insécurité que tu ne sais pas que c'est la sécurité. Tu crois que c'est la sécurité. Parce que tu as plein de connaissances, tu as mis tout ça en œuvre, tu as contrôlé, tu as dit si je fais ça, je serai bien, tu vois. Et donc tu vis avec de l'illusion, une sécurité que tu crois être la sécurité, mais c'est une illusion. Parce que la vraie sécurité, c'est d'être toi, d'être vrai. Comme ça, tu es en sécurité. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de rater quelque chose. Mais ce qui est évident, c'est qu'on se... Tu vois ? Et ça, c'est pas très évident de voir qu'on se leurre. Mais c'est évident qu'on se leurre. C'est une réalité. Et c'est ça, de voir ça, de voir que tu te racontes toutes ces histoires pour ne pas être ce que tu veux. Not to be. Hein? Not to be, on ne connaît pas. On connaît to be. Tu vois ? Et quand on veut être, eh ben, il y a cet acharnement à cultiver ce vide et à le remplir avec cet être. Être. Parce que être, c'est ça. En plus, c'est la sécurité. C'est pas trop assez. T'as pas la sécurité. Cette sécurité-là, c'est justement l'insécurité totale. Mais l'illusion te dit, mais je serai en sécurité. Demain, pas maintenant, demain, quand j'aurai la meilleure image de moi, quand j'aurai fait tout ce que je voulais, quand ce que j'aurai accompli tout mon désir, je serai en sécurité. Mais demain, pas maintenant. Tu vois le problème ? Alors que maintenant, là, c'est ce qui existe maintenant. Ben, ce qui existe maintenant, c'est ça. Est-ce que tu te rends compte de ça ? Tu te rends compte que nous-mêmes, nous sommes la sécurité, mais nous sommes en train de passer notre sécurité. Si tu veux, on donne notre liberté en étage à quelque chose qui va la détruire. Alors que nous sommes nous-mêmes cette liberté. Nous a pris une tâche. Donc, tu vois ça, est-ce que tu peux envisager, okay, de rester avec ça, de rester avec cet instant, de vivre avec ça, d'aller voir toute l'activité de cette insécurité, de ce néant, de ce rien, de cet ennui que tu as et que ton esprit n'arrive pas à être vide. Parce que c'est tout ce vide-là qu'on veut pas. On veut toujours, il y a quelque chose là-dedans. Moi, il vient dans le vide et il envahit le vide. Et si le moi vient là-dedans, ce sont toutes les pensées. Et dans ce vide-là, quand il y a plein de choses dedans, ben, qu'est-ce qui se passe ? Il y a du brouhaha. Tu n'as jamais la paix. Oui, on n'est pas tranquille. On n'est pas vrai. On n'est pas vrai. Il y a des histoires qui se racontent. Et ces histoires, on dit c'est moi. Et donc ce moi qui est dans la turbulence, dans le désordre, pas dans le silence, essaye de s'exprimer. Mais tout ce qu'il fait, tu vois, toute l'expression qu'il donne sera chaotique. Ne sera pas intelligente. Alors que là, si tu acceptes de regarder ce que tu es, tel que c'est, ce vide, cet ennui, cette peur, tout ça que tu, cette angoisse, aller dedans,
rentre en contact avec ça. C'est toi. C'est ça qu'on a toujours fui dans toute notre vie. Chacun d'entre nous. D'être parfait, d'être bien, d'être une bonne mère, d'être... Bien-être, bien-être, je vais faire un peu de yoga. Je... Mais en fait, tu sais, c'est ça notre problème, parce qu'on veut, on veut ça. Mais qui veut ça? Qui veut ça? Non, vraiment, qui veut ça? Qui veut être bien? C'est l'image. Voilà, l'image veut être bien. Le être que tu as construit toute ta vie là, il est tellement en désordre, tu sais, tellement en perturbation, que toute l'entité veut être bien. Tu vois? Donc on cherche le bien-être. On cherche le bien-être.